Chez Nissan, la voiture électrique est une spécialité et David, elle sera une nouvelle fois au cœur de votre stratégie Fleet en 2021. Tout à fait, Nissan est un des pionniers dans le véhicule électrique depuis maintenant plus de 10 ans, notamment avec la Nissan Leaf qui s'est vendue jusqu'ici à plus de 500 000 exemplaires, dont plus d'un tiers en Europe. Et la stratégie de Nissan est bien entendu de continuer à développer l'électrification de l'entièreté de sa gamme, notamment via des motorisations hybrides et plus tard avec la Nissan Qashqai e-Power. Alors, vous l'évoquiez à l'instant, il y aura un élargissement de la gamme électrique. On peut déjà en dire quelque chose ? Tout à fait. Donc, il s'agit de futur coupé crossover, le Nissan Ariya. Nous l'attendons avec impatience. Les précommandes seront déjà ouvertes cet été. La Nissan Ariya est le concentré de ce que Nissan fait de mieux, soit un crossover en même temps électrique avec des performances très élevées. Il existera en 2 et 4 roues motrices avec une autonomie jusqu'à 500 km. Autre nouveauté chez Nissan, le Qashqai. Et pour nous en parler, Melvin Tissal de derde generatie. Inderdaad, Alain. We zitten inmiddels alweer aan de derde generatie van de Qashqai. Hij zal dit jaar volledig vernieuwd worden. We zijn sinds 2007 al op de markt met onze Qashqai, een crossover die natuurlijk heel bekend is, want het is ook onze absolute bestseller. En wat is er nieuw aan? Buiten een volledig nieuw design zullen we ook een volledig nieuw onderstel hebben. We hebben nieuwe aandrijflijnen, ook gericht op de Europese markt. Uiteraard zeer zuinig. We zullen met hybride motoren komen, maar ook zoals David al uitgelegd heeft, met e-Power. E-Power is eigenlijk een nieuwe motorisatie, een nieuw concept waarbij de wagen aangedreven wordt door een elektromotor. Maar die elektromotor die hoef je niet meer op te laden, want die zal gevoed worden door een benzinemotor. Dus qua rij-eigenschappen rijden we zoals met een elektrische wagen, zoals met de Leaf bijvoorbeeld.